C'est pas le Maroc qui a fait que la Côte d'Ivoire a gagné cette canne. La Côte d'Ivoire n'a pas été repêchée. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Non, c'est clair. La Côte d'Ivoire n'a pas été repêchée. Ça, c'est clair. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée par rapport au troisième au règlement de On a tous regardé cette vidéo de Max Gradel qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux, mais qui crée polémique en même temps. Et pour vous rappeler, c'était bien sûr le jour de la finale, le match qui a opposé la Côte d'Ivoire au Nigeria, où la Côte d'Ivoire était vainqueur en battant le Nigeria sur un score de 2-1. Le capitaine Max Gradel a alors pris, après le match, le drapeau marocain et a fait presque le tour du terrain. Une fois pour dire encore que c'est un signe de reconnaissance, un signe de remerciement, parce que pour la plupart des Ivoiriens, c'est grâce au Maroc que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la suite de cette compétition. Mais pour d'autres personnes comme la légende camerounaise M. Rosé Milan, ils pensent que ce geste de Max Gradel ne valait pas le coup, que ce n'est pas à cause du Maroc que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, mais plutôt à cause des 3 points que la Côte d'Ivoire a obtenus dès les phases de poule qui lui ont permis de se qualifier pour la suite de cette compétition. Et il ajoute là-dessus que c'est bien sûr les règles de la FIFA qui ont permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, Roger Milan, comment vous trouvez, sinon, pour vous, quelle sera ou quelle peut être la marge de progression de ce groupe ivoirien? Je voudrais d'abord dire que c'est très, très méchant par rapport aux autres joueurs et aux spectateurs de monter sur ce podium avec le drapeau marocain. C'est pas le Maroc qui a fait que la Côte d'Ivoire a gagné cette canne. La Côte d'Ivoire n'a pas été repêchée, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Non, c'est clair. La Côte d'Ivoire n'a pas été repêchée. Ça, c'est clair. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée par rapport au troisième au règlement de on ne serait pas qualifié si le Maroc n'avait pas gagné. Votre point de vue, Roger Milan. Même si le Maroc ne gagnait pas, que la Côte d'Ivoire gagnait. Si la Côte d'Ivoire avait gagné. Non, c'est terminé. C'est pas parce que le Maroc a battu la Zambie que la Côte d'Ivoire ne veut pas se qualifier. D'accord, on a compris. Donc je dis, moi, c'est très malvenu. Je souhaitais qu'ils prennent le drapeau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Qu'ils montent avec sur le podium pour d'abord récupérer la coupe. La coupe, sa médaille. Mm-hmm. Et puis bon, aller maintenant fêter avec. Quitte à ce que les spectateurs là-bas mettent le drapeau marocain sur le podium, mm-hmm. Sur le stade. Mm-hmm. Mais c'est pas lui, c'est pas au joueur de. D'accord, je suis désolé. C'est noté. Je suis désolé. Maintenant, si on doit revenir sur la question, pour vous, la marge de progression de cette équipe ivoirienne qui remporte là la Coupe d'Afrique? Non, je pense qu'il n'y a aucun commentaire. Ils ont prouvé, ils ont démontré que malgré qu'ils soient menés, mm-hmm. ils peuvent éliminer au score et gagner le match. Et ils l'ont fait 4 fois. Mm-hmm. 4 fois de suite. Donc ça veut dire que ce n'est pas un hasard. Si on met un 5e match là, ils vont toujours le refaire. Mmh. C'est pas un hasard. Donc, félicitations au coach, mmh. avec son staff. Oui. Et félicitations à tous les joueurs. D'accord. Surtout, félicitations à ce public. Parce que vraiment. Voilà. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Gaspard. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager, puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Et comme je le disais en début de cette vidéo, pour la plupart des personnes, ce geste de Max Gradel est un signe de remerciement, un signe de gratitude, un signe de reconnaissance envers le peuple marocain. Parce que pour eux, le Maroc a réellement joué le jeu en obtenant une victoire face à leur adversaire, et ce qui a automatiquement permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier et d'être encore en course de cette compétition que eux-mêmes ils ont organisée dans leur pays. Si aujourd'hui nous voyons que la Côte d'Ivoire est sacrée pour une 3e fois championne d'Afrique, ils ont alors une pensée pour le Maroc. Ce qui explique le geste de Max Gradel avec le drapeau marocain en train de faire le tour du terrain. Essayons de voir alors cela sur une autre perspective. Disons que le Maroc a gagné son match et que les autres équipes comme la Mauritanie et le Ghana ont aussi gagné leur match. Est-ce que la Côte d'Ivoire allait se qualifier? Raison pour laquelle les propos et les analyses de Roger Milan ici sont des analyses qui sont sur une base qui est réellement fondée.
des analyses qui sont faites sur une base des règles qui sont préétablies par la Confédération africaine de football et par la FIFA, qui nous dit que les troisièmes meilleures équipes dans une compétition seront automatiquement qualifiées. Et que la Côte d'Ivoire avait déjà fait un effort de gagner 3 points dès les phases de poule de cette compétition. Alors c'est compréhensif s'il nous dit cela. De toute façon, vous le savez, sur des sujets comme ça, les avis sont tout le temps différents. D'autres personnes vont penser que ce que la légende Roger Milan est en train de dire ici est réellement fondé. Et d'autres vont dire que ce que Max Gradel a fait ici, c'est très bon parce que c'est un signe de reconnaissance envers le peuple marocain. Mais moi, je vais prendre le plaisir et le temps de lire tous vos commentaires et de savoir tout ce que vous pensez à travers ces thèmes. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce sujet est parti très loin. Parce que aujourd'hui, quand j'étais aussi sur la méta, j'ai vu un créateur de contenu marocain qui était en train de parler sur le même thème, même si je ne comprends pas l'arabe. انا مش مصدق نفسي والله انا مش مصدق اللي انا شايفه لعيبة المنتخب الافواري شايلين راية المنتخب المغربي وبيجروا وبيلفوا في الملعب والله انا ليا الفضل ان انا اتكلم ليا الشرف ان انا اتكلم على التيشيرت ده ليا الشرف ان انا بتكلم على المغرب ليا الشرف ان انا عامل محتوايا مغربي وبتكلم على اخواتي المغاربة ايه ده بجد ايه ده ايه ده دي مش جماهير دي مش جماهير عاديه لا دول اللعيبه اللعيبه رافعه رايه المنتخب المغربي او رايه المغرب وبتلف وبتفرح وبتشجع بتعمل ايه بتحتفل مع الجماهير برايه المغرب افرح يا مغربي افرح الكل طلع من البطوله بخساره الا انت يا مغرب الا انت يا مغرب كسبت قلوب الملايين من الايفواريين الشعب الايفواري بالكامل هيفضل يحبك مدى الحياه. Et en bas de cette vidéo que nous venons de regarder tout à l'heure, même si je ne comprends pas arabe comme je le disais, j'ai pris le temps de lire les commentaires. Et dans les commentaires, pour moi, c'était positif. Positif parce que la plupart des personnes pensaient que, voilà, le football était un moyen pour nous réunir. Et que le geste de Max Gradel est un geste qui prouve que, au-delà du football, que nous sommes tous des humains. Sur ce, mes frères, merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. À plus.